Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 25 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer pour les énergies générales de ce vendredi 25 août. Alors, nous avons les énergies poissons, je vois. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Ok, alors un besoin peut-être de se retrouver un petit peu dans sa bulle créative, voilà, d'avoir envie de rêver, de peut-être d'être un petit peu sur un nuage, voilà, où il y a beaucoup d'idées, de la créativité, voilà, on se projette peut-être dans des situations, bref, voilà, on a envie, peut-être besoin effectivement de laisser notre imaginaire se promener, se vagabonder un petit peu pour pouvoir justement s'inspirer. On est dans l'inspiration avec les poissons. On va regarder avec le tarot psychique donc pour ce vendredi 25 août. Ah, alors, il y a quelque chose qui nous ennuie ici. Mécontentement et ennui, c'est la 4 de coupe, donc l'énergie... Une énergie, si vous voulez, d'attente, où on attend quelque chose qui n'arrive pas, on espère quelque chose qui n'arrive pas, et du coup, on commence à développer des pensées négatives, on commence à développer de l'insatisfaction, et là, du coup, ça nous détourne un petit peu, finalement, de nos objectifs ou de notre épanouissement personnel. Donc là, par rapport à ce qui nous ennuie, par rapport à ce qu'on attend, à cette attente-là, il y a un besoin, peut-être, effectivement... alors, soit il y a un besoin de retourner un petit peu dans sa bulle, voilà, dans quelque chose qui pourrait nous inspirer, dans quelque chose de positif qui pourrait nous inspirer. Attention à ne pas tomber dans les pires scénarios, bien évidemment. Et essayer de s'évader, essayer en tout cas de se détacher de cet état d'esprit un peu négatif ici. Oui, vous voyez, on a tendance à se prendre un petit peu la tête. Hein, le conflit mental ici avec la 2 d'épée, c'est vraiment je ne sais plus. Je ne sais pas quoi faire, je me sens bloquée. C'est peut-être un manque d'inspiration pour certains d'entre nous, hein, voilà, par rapport à, je sais pas, si on est en train de créer quelque chose, si on a envie d'explorer, voilà, de mettre en pratique certaines choses, ben on pourrait manquer peut-être un peu d'idées, de créativité, d'imagination, voilà. Donc c'est pour ça que l'énergie poisson ici, ben, si on se sent bloqué dans une situation où on ne peut pas agir, où je sais pas, on est obligé d'attendre, on est, y a une espèce d'obligation de se dire, ok, bon bah ben, alors, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Il y a peut-être, on s'ennuie, peut-être aussi, plutôt que de s'ennuyer, on nous invite vraiment à nous évader. Avec l'énergie des poissons, voilà. Là, il va falloir peut-être essayer de se détacher hein, du mental qui cherche à tout prix des réponses, des solutions pour débloquer la situation, alors que peut-être, voilà, la situation en elle-même ne dépend pas de nous. Hein, c'est peut-être quelque chose d'extérieur. Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes dans le train, vous êtes en déplacement et qu'il y a une énorme panne et que du coup, vous restez bloqué 4 heures dans le train. Bon, ben là, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre. Vous n'avez pas d'autre choix que, voilà, vous vous ennuyez un peu. Ben, profitez-en pour ben, peut-être partir dans votre monde imaginaire et essayer d'en tirer le meilleur parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle céleste Astrokif? Donc pour ce vendredi 25 août, et nous avons l'énergie du changement. Ok, alors il y a quelque chose qui doit changer, quelque chose qui doit bouger. Là on sent bien que ça bloque. Il y a une situation qui bloque, il y a peut-être une direction qui bloque dans laquelle on souhaite aller, il y a peut-être effectivement une panne d'inspiration. Là, on nous dit qu'il n'y a que le changement, alors peut-être un changement d'air, un changement de façon de voir les choses. Il va falloir effectivement s'aérer l'esprit et peut-être se laisser inspirer par autre chose. Voilà, il faut changer quelque chose ici qui peut nous permettre de retomber effectivement sur les énergies du poisson. Alors, nous avons l'énergie de la Vierge inversée ici qui nous parle de notre timidité, d'une situation anxiogène et peut-être d'un côté un peu têtu et inflexible. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est peut-être nous hein, qui sommes un peu têtus et qui restons sur une problématique qui ne fonctionne pas et qui avons du mal à lâcher prise, qui avons du mal à imaginer d'autres possibilités, d'autres moyens d'y arriver. C'est vrai que souvent, quand on est dans une direction, dans une problématique, on est tellement focus dessus qu'on a vraiment du mal à avoir ce recul, cette prise de hauteur qui nous permet d'identifier différentes possibilités. Hein. Donc là, voilà, il va falloir travailler sur ces énergies-là, sur ce stress-là aussi, parce qu'il y a quelque chose de stressant hein,
par rapport à tout ça, pour pouvoir sortir de ce blocage. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de la voie astrale, donc pour ce vendredi 25 août. Neptune, bon, entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec l'énergie de Neptune, bon, bah, ça va nous aider à justement à partir un petit peu dans notre imaginaire, dans nos rêves et dans notre inspiration. Donc c'est ça qui va nous aider en fait. Il va falloir s'appuyer sur les énergies du poisson et les énergies de Neptune ici pour pouvoir profiter de cette situation de blocage pour réussir à changer d'air et à changer d'idée. Il peut y avoir effectivement des... Ben peut-être des réponses ou en tout cas de nouvelles idées qui pourraient nous parvenir. On pourrait se sentir inspiré par quelque chose, peut-être quelque chose qui se passe à l'extérieur d'un contexte, hein, ici, pour pouvoir réussir à, eh bien, à débloquer la situation. Hein. Donc Neptune et l'énergie des poissons, qui sont liées bien évidemment, vont nous aider à vraiment nous inspirer. À être inspiré. Et ici, on a Mercure rétrograde, je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Bah oui, il va falloir décrocher de ce stress, il va falloir décrocher de ces pensées négatives qui ont tendance à nous tirer vers le bas et qui ont tendance à nous frustrer en plus. Hein, parce qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas. Donc là, attention à notre mental, il va falloir plutôt laisser notre esprit s'inspirer de quelque chose ou vagabonder dans, ouais, dans notre imaginaire. Voilà. Donc, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Alors, le guide des traversées, la superficialité. Ok. Alors, là, il y a une énergie où justement, on a besoin peut-être de retrouver un peu plus... Et oui, le guide des traversées, c'est vraiment, on a envie d'être guidé. On a peut-être, on ressent le besoin d'avoir peut-être de l'aide, du soutien, un coup de pouce de l'univers, de nos guides, ou peut-être tout simplement de notre entourage, savoir les avis des uns et des autres, peut-être pour essayer de trouver une idée, trouver l'inspiration. Et là, on nous dit, ben oui, mais pour ça, il va falloir sortir du côté superficiel, ou en tout cas du côté trop terre-à-terre, du côté trop... rationnel. Hein, il va falloir vraiment réussir à laisser un petit peu le subtil faire son effet, à lâcher prise sur le besoin de rationaliser, le besoin de contrôler et d'analyser tout ce qui se passe, et d'être vraiment plus dans les énergies de Neptune. Hein. Donc voilà. Donc j'ai l'impression qu'on cherche des réponses, on cherche à débloquer quelque chose. D'accord. On va regarder avec le tarot histoire de sorcière ici, donc du côté de notre énergie d'action et activité. Ok. Donc oui, il y a peut-être un choix, il y a peut-être une décision à prendre. Les amoureux, en général, c'est ici chercher la voie la plus authentique. Qu'est-ce qui nous correspond le mieux? Quelle direction? Quelle façon de faire? Quel engagement? Enfin voilà, peu importe. Mais en tout cas, on cherche quelque chose qui nous correspond davantage. Oh! Le chevalier de coupe nous parle effectivement bah, peut-être de notre inspiration aussi. Hein. Le chevalier de coupe, c'est le côté idéaliste, c'est... je me prête à rêver, je suis quelqu'un d'inspiré et puis surtout connecté à ses émotions. Donc, qu'est-ce qui nous fait rêver? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Même si c'est un petit peu irréaliste, même si c'est un petit peu, enfin, je dirais surréaliste, même si c'est, si parfois ça ne... ça manque un peu ça manque un peu de pragmatisme, mais c'est pas grave. Le but étant quand même de prendre de la hauteur, de réussir à se détacher de la problématique pour essayer de voir plus grand, plus large. Voilà. Ça, ce sont des énergies qui vont nous aider à nous reconnecter à notre part spirituelle et à ce qu'on désire vraiment et à ce qui nous plaît vraiment. Et là, on a la 10 de Pentacle qui nous parle de possibles réussites, de possibles accomplissements dans ce que l'on entreprend ou dans ce que l'on souhaite entreprendre. Hein. Donc là, ouais, il y a quelque chose de plutôt positif là-dedans. Je pense qu'on pourrait être vraiment guidé sur le chemin qui est le nôtre vers un accomplissement, mais pour ça, il va falloir se détacher d'un esprit un petit peu morose, d'un état d'esprit négatif. Ok, très bien. Et là, on a l'empereur, l'énergie de l'empereur qui nous permet de retrouver aussi une certaine assise, une certaine stabilité, sécurité dans nos propres actions. Donc pour ça, il faut laisser aussi un petit peu notre côté spirituel, notre côté un petit peu plus
détachée du mental, qui va nous aider à retrouver confiance, qui va nous aider à retrouver aussi notre pouvoir personnel. Hein. L'empereur, c'est aussi une forme d'autorité, hein, donc l'autorité que l'on a sur ses propres choix, sur sa propre vie aussi. Les changements que l'on peut mettre en place, que l'on peut décider de mettre en place pour améliorer sa vie, bien évidemment. Donc là, il y a une possibilité de nous laisser inspirer, mais pour ça, il faut s'autoriser à se donner du temps, à faire une petite pause dans la journée peut-être pour laisser notre esprit vagabonder et se laisser séduire par quelque chose. Pour moi, il y a une possibilité, une occasion peut-être, une opportunité à saisir. Il y a quelque chose qui peut se proposer là durant cette journée et qui peut effectivement nous permettre de retrouver un petit peu le contrôle et aussi qui nous permette de nous laisser inspirer. C'est ça le plus important. Regardez la reine de coupe. La reine de coupe, elle est très connectée à ses émotions, à ce qui se passe en elle, à son intuition. Et elle se laisse porter et elle a le cœur grand ouvert. Hein, voilà. Donc là, avec l'énergie de l'empereur, on est vraiment sur tirer profit de ses intuitions, de son inspiration et d'en faire quelque chose de concret. Donc là, c'est très très porteur. Hein. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du vendredi 25 août. Et nous avons « Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. » Concrétisation des projets. Donc oui, il y a bien quelque chose qu'on souhaite obtenir, qu'on souhaite concrétiser, qu'on souhaite faire avancer. Mais là, on sent que bon, on pourrait se sentir un petit peu assailli de doutes, mais surtout en proie au mental, hein, qui a tendance justement à nous tirer vers le bas, qui a tendance à nous dire « Ouais, non, je ne suis pas assez ceci » ou « Le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances. » Il y a quelque chose ici qui coince, qui bloque. Ok. Ouais, on retrouve la 2 d'épée, voilà, le conflit mental, voilà, l'hésitation, le doute, les incertitudes, voilà. Bon, on a un roi de coupe ici, donc dans notre entourage, qui peut nous aider à y voir plus clair. Oui, je pense qu'ici, cette personne-là, elle est dans notre entourage, c'est quelqu'un qui pourrait effectivement avoir le bon conseil, peut-être une vision beaucoup plus éclairée, surtout détachée de ce que l'on vit, pour pouvoir apporter en tout cas son avis. Son petit conseil, cette petite patte-là qui va nous permettre d'y voir plus clair parce que là, il y a vraiment une espèce de confusion avec la 7 de coupe où on est confus et du coup, on ne sait plus trop où on va, où on est. Et ce qui est intéressant, c'est que ce roi de coupe-là, boum, il va nous permettre d'y voir plus clair et surtout de nous reconnecter à nos propres désirs. As de bâton, Eureka, une nouvelle idée, une envie, un nouveau désir, une créativité, une idée, quelque chose en tout cas qui nous inspire, quelque chose qui vraiment nous réveille ou nous révèle quelque chose sur une problématique ou sur un manque d'inspiration qu'on avait jusqu'à présent. Donc c'est génial. Et on retrouve l'empereur. Donc ça y est, on retrouve enfin l'envie de créer, l'envie de reprendre le contrôle, l'envie effectivement de faire quelque chose qui va dans le sens de finalement de ce que l'on souhaite obtenir. Mais là, ça y est. Il peut y avoir une idée, une solution trouvée, je sais pas, moi, quelque chose qui nous permet de retrouver le dynamisme et on y retourne, quoi, tout simplement. Donc on fait preuve d'ouverture d'esprit parce que là, il y a quelqu'un ici qui pourrait nous apporter une vision très éclairée de la situation et qui pourrait effectivement nous permettre de nous reconnecter à notre inspiration et nous apporter peut-être une idée aussi nouvelle qui pourrait vraiment nous inspirer. Donc voilà, on écoute, on accueille. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 25? Alors, exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Alors oui, effectivement, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on sait qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent, mais on a du mal. On a un petit peu du mal. Il peut y avoir encore un petit peu de résistance hein, par rapport au changement qu'on doit effectuer, apporter. C'est pour ça qu'il peut y avoir un peu de frustration ici avec la 4 de coupe, parce que on s'attendait à autre chose. Voilà. On espérait quelque chose de différent. Et finalement, le changement qui nous est apporté ici peut être vraiment bénéfique, peut être vraiment quelque chose de porteur, mais d'un premier abord, on ne le voit pas. On ne le perçoit pas comme ça. Vous voyez ? Donc là, il y a peut-être un changement de regard à avoir et surtout accepter ce qu'il y a sur notre chemin pour qu'on puisse repartir peut-être sur de nouvelles bases, sur une nouvelle idée ou sur tout simplement un nouveau chemin. Voilà. Là, il y a quelque chose qui démarre ici avec cette carte-là.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.